L'avènement des militaires à la tête du pays a été salué par la majorité de notre peuple. Le chemin transitoire a été mis sur pied. Il doit transiter par plusieurs étapes pour atteindre les élections plurielles démocratiques attendues par tous. Nos institutions sont jeunes et par-dessus tout, il y a un homme au destiné du pays qui est lui aussi bien évidemment jeune. On doit se réjouir de cet état de fait pour accompagner la marche irréversible qui est en train d'être mise sur pied. La construction d'un pays requiert la participation effective de tout un chacun. L'unité nationale est très importante. Mes chers frères et sœurs, qu'on soit du sud, qu'on soit du nord, qu'on soit de l'est ou de l'ouest, transcendons nos différences. Ne nous regardons pas à travers les clichés, les idées préconçues, surannées et désuées. Essayons de nous regarder sous le prisme de la fraternité. Ne cédons pas aux vendeurs d'illusions. Ayons la passion de notre pays. Ayons l'amour de notre pays. Préservons notre paix. Préservons notre pays. Préservons la stabilité qui règne aujourd'hui dans notre pays. Vive la paix, vive la paix et vive la paix.